plan d'auto-isolement, nous protéger et protéger les autres. C'est quoi l'auto-isolement? Qu'est-ce que l'auto-isolement? L'auto-isolement est le comportement par lequel, de manière volontaire et dans les conditions logistiques qui lui sont propres, une personne ayant potentiellement été en contact avec un germe ou microbe, donc une personne contaminée ou non, décide et se met en retrait par rapport à tous ceux qui lui sont proches en évitant tout contact direct avec eux de façon à prévenir la propagation éventuelle de l'infection. Disposez-vous déjà d'un plan d'auto-isolement? Au regard de la situation actuelle, les voyages à partir des pays touchés ou à risque vers le Bénin et du Bénin vers les 10 pays sont fortement déconseillés. Si nonobstant cela, vous vous déplacez vers ces pays, vous devez en même temps préparer votre plan d'auto-isolement à mettre en œuvre immédiatement à votre retour. L'un des cas de figure suivants peut correspondre à votre situation et vous pouvez vous en inspirer pour faire votre plan d'auto-isolement. Vous êtes seul dans votre domicile. Vous avez la possibilité de faire votre auto-isolement dans votre propre domicile ou alors, si vous le voulez, ailleurs, comme dans un hôtel, un guest house ou une résidence secondaire, la vôtre ou celle appartenant à un proche qui ne l'utilisera pas pendant les 14 prochains jours. Vous vivez dans une maison avec votre famille. Vous avez la possibilité de faire votre auto-isolement. 1. Dans un hôtel, un guest house ou une résidence secondaire, la vôtre ou celle d'un parent, ami, collègue qui ne l'occupe pas en ce moment. Ainsi, vous laissez le domicile à votre famille qui peut continuer à vaquer à ses occupations sans perturbation majeure. 2. Dans votre propre maison. Dans ce cas, il y aura des possibilités pour gérer la famille. Soit la maison est vaste et peut être compartimentée, par exemple, en mettant une séparation entre les appartements se trouvant au même niveau sans contact, soit c'est un bâtiment à plusieurs niveaux et l'un des niveaux peut être totalement isolé. Dans ce cas, vous occupez un espace et vous mettez votre famille dans l'autre. Soit la maison n'est pas grande, ou bien son plan ne permet pas de la compartimenter ou de la subdiviser en deux espaces sans contact. Dans ce cas, vous déplacez votre famille vers un autre logement, domicile des parents, résidence secondaire, hôtel, guest house, pour toute la période où vous faites l'auto-isolement dans le domicile. Soit vous n'avez pas d'autre solution que de rester avec la famille dans la maison, et dans ce cas, tous ceux qui vivent dans la maison sont aussi en auto-isolement avec vous pendant les 14 jours. Pas de sortie de la maison. Vous venez de l'étranger et vous n'avez pas d'autre solution. Allez dans un hôtel, un guest house ou alors sollicitez la résidence secondaire d'un ami à qui vous expliquez clairement la situation. Vous n'êtes pas capable d'assurer l'un de ces scénarios, alors il vous revient de prendre la juste et responsable décision de ne pas effectuer le voyage. Notez bien, la réussite de votre auto-isolement dépend d'un bon plan et de votre fort engagement au service de votre famille, de votre communauté, de la conscience citoyenne de tous. Lorsque vous êtes dans un hôtel ou un guest house, veuillez avertir la réception pour que votre repas vous soit livré dans votre chambre, que le nécessaire pour faire vous-même le ménage dans votre chambre vous soit fourni et que la literie vous soit fournie en quantité suffisante. À domicile, vous devez identifier un dispositif pour vous faire réapprovisionner durant toute la durée de l'auto-isolement. Benjamin I.B. Hunkpati, ministre de la Santé.